Parlons maintenant des années 2000. Alors les années 2000, pour moi, c'est la famille. Ah ouais, c'est le début. Alors, j'allais à Atlantique, tout ça, voilà, il y avait des amis, des soi-disant amis, qui sont en réalité aucun. J'avais à l'époque aucun ami, aucun. Même David, tout ça, c'était... Ok. Sur du théâtre, aucun. Et j'ai bien fait d'y aller. En Vendée, notamment en 2004, parce que j'ai rencontré une femme extraordinaire qui est ensuite est devenue ma femme. On a eu des enfants, etc. Vous connaissez à la suite. Et en 2009, Raphaël, mon premier garçon, est né. Vous voyez, c'est vraiment des années importantes. Je suis revenu dans l'animation en 2002, parce que j'avais quitté pour différentes raisons. Je suis revenu en 2002, voilà. Non. C'est 2002. 2004, je vais être à Maurice Duval, voilà. On s'éclatait comme des fous. Non, c'était des années famille, début de la famille. Mariage, voyage en Inde. Non, c'était belle, voilà. Et... il y a eu les L5, le groupe, tout ça, hein. Et aussi Yannick, alors. Alors, la télé, un blanc. Alors, si, il y avait T'es fou, c'est pour les jeunes, c'est ce qui avait remplacé à Recréa 2. T'es fou, enfin, c'était TF1, c'était ça finit par s'appeler T'es fou. T'es fou, non? C'est le début de pas mal de chaînes aussi. Dans les années 2000, j'ai moins de choses à dire que les années 90, 80. Moi, alors c'est le retour dans l'animation, ça j'ai déjà dit, rencontre avec une femme exceptionnelle. En 2007, c'est notre mariage. Et aussi, ah voilà, on a joué les monologues du vagin avec ma femme. Enfin, ma femme l'a joué, et je l'ai accompagné. C'était magnifique. Et c'est là où je me suis dit, c'est dégueulasse. Parce que certaines personnes maltraitent les femmes. Les hommes maltraitent les femmes. C'est là que je l'ai réellement découvert. Je trouvais ça scandaleux. C'est là où je suis devenu féministe. J'ai pas combattu tout de suite, c'est juste, c'est en 2018 que je me suis dit, inscrit à nous toutes et j'ai fait des actions, etc. Mais c'est là où j'ai halluciné. En lisant déjà le texte et après en le faisant. Et ça reste un excellent souvenir. Il y a eu le voyage de noces, il y a eu le déménagement. J'ai quitté Arcueil pour Gentilly. Et on est resté quelques années quand même. Et ouais, ces années, c'est les années famille, le début. Le début des galères. Sinon, alors, dans les années. Voilà. Il y a eu des concerts à la Tour Eiffel pour Johnny. Il y a eu quelques concerts pour Vanessa Paradis également. Pas la Tour Eiffel non plus.
Si, la Tour Eiffel pour Parc des Princes. Parc des Princes, le premier, c'était en 98. C'est sur l'autre vidéo, hein, voilà. Il y a eu, ouais, les L5, il y a eu quelques séries, mais surtout des chansons. Oui, Yannick, je voulais vous parler de lui. C'était un con. C'était un con. Alors, petite anecdote, à l'époque, j'allais pas mal dans les émissions de télé, avant de connaître ma femme. Et je me rappelle toujours, l'émission était finie. Non, j'allais à une émission de télé, et tout à coup, je vois Yannick, dans une voiture, tout seul, une grande voiture, tranquille. Voilà. Derrière, il y avait une voiture beaucoup plus petite, style ma voiture actuelle, en plus petit. Et là, il y avait ces quatre chanteuses, ces quatre danseuses, serrées à l'arrière. Vraiment serrées, hein. Ça, je suis resté sur le cul. Un manque de respect, c'est. Depuis ce jour-là, j'ai plus aimé sa chanson. Oui, c'était en haut, en bas, à gauche, à droite. Ces années-là, l'Europe. Non, pardon. Excusez-moi, c'est parce que la scène, c'est l'adaptation d'une chose de Claude François. Cette année-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur les années 2000? De 2000, on pensait. Ah oui, alors, moi j'ai fêté l'an 2000 à Arcueil. Alors, il y avait l'aqueduc, et c'était que à minuit, pardon, à minuit, on franchissait, on quittait Arcueil pour aller à Gentilly. Le symbole de, voilà, changer de siècle, changer tout ça, tout ce que vous voulez, en passant sous l'aqueduc. Et après, il y a eu un feu d'artifice, un repas, vous pouvez voir. J'y suis allé non seul. Ma mère devait venir et finalement, trop fatiguée, j'y suis allé tout seul. Et voilà, j'ai passé un bon moment. C'était à l'époque où je faisais les Nouvel An tout seul. J'en ai souvent fait. Et puis maintenant, je suis avec ma femme. Et puis, pourquoi m'imposer à d'autres gens, hein? Et imposer aux autres ma présence. Voilà. Ça, je me rappelle très bien. Il y a des choses qui me reviennent. Moi, j'ai connu Christine Pavlovic, Delphine aussi, qui a été ma responsable, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Et puis, là, elle a quitté mon rouge et j'ai un peu perdu le contact. Non, j'ai connu plus tard, ouais, Fred Maillet, je sais plus. Non, c'est je non. Alors, c'était pas. Si, c'était dans les années 2000, j'ai connu Fred. Frédéric Maillet. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et c'est pas là que j'ai connu certaines Floriane. Dans les années 2000, 2000. Enfin, pas 2000, hein, plus 2008 qu'autre chose. Pendant les 3 ans où j'étais à Jughead. Que je revoie, peut-être. Voilà. Que de beaux souvenirs dans les années 2000. C'était le début, c'était la famille. Voilà, ces années-là, je les appellerai les années famille. Sinon, ce qui se passait dans le monde, je ne me rappelle plus. Alors, les années 2000, c'était Chirac. Et après, Sarkozy et Hollande, vers la fin, je crois. Je me trompe pas. Non, l'autre c'est après. Chirac, oui. C'est 2002, 2002. Non, et puis Sarkozy juste après. Et puis après, c'est passé. Ouais, c'est ça. 2007, Sarkozy. Ouais, c'est ça. On s'est mariés la même année. Rien à voir. Hein. Voilà. Et après, mais ça c'était dans les années 2010. Ça sera sur une autre vidéo. D'accord? Sinon, quant à nous, on se donne rendez-vous à toutes et à tous. Une prochaine critique, peut-être dans 10 ans. Kenavo Vachal Grouek. Au revoir.